malheur moderne vous dit bonjour. Balandé, monsieur, mon c'est malheur moderne, appelez-moi son beauté. Aujourd'hui, dans comment cuisiner pour son mari congolais, je vous propose une recette d'épinards façon limbondo. Donc, je vais un peu expliquer ce que c'est. Si vous avez un mari congolais, je reviens un peu dans le contexte. Ces vidéos sont destinées aux personnes qui ne cuisinent pas habituellement pour des Congolais et ce sont des recettes adaptées à la diaspora, donc à ceux qui se trouvent dans des lieux où il n'y aurait pas tous les ingrédients. Donc c'est pour un peu varier. Je vais faire d'abord une petite historique de ce qu'est le limbondo et j'ai appelé ça façon limbondo parce que le limbondo reste le limbondo et dès qu'on fait autre chose, on s'est inspiré mais on n'a pas reproduit la recette. Donc le limbondo est une recette de Pondou. C'est une recette de la région de l'Équateur d'où je suis originaire. Il faut savoir qu'au Congo, la même recette peut se retrouver dans d'autres régions sous une autre appellation ou sous une autre forme. On peut dire que le limbondo a pour sœur le sakasaka mukedi du Bambundu, le lifolo toto de la province orientale et encore plein d'autres recettes dont j'ignore le nom. Donc le limbondo à la base se fait exclusivement avec du pondou. Et pour qu'un limbondo soit un limbondo, je vous donne la méthode de l'Équateur. Les choses qui doivent être réunies, c'est qu'il doit y avoir du poisson dans la recette, il doit y avoir de l'huile de palme, et cette huile de palme ne doit pas cuire, elle doit être mise en fin de cuisson, et il doit y avoir un sel spécial qu'on appelle mokwa dans ma langue, mais ailleurs on appelle ça mungwabasenzi. Donc le mokwa, qu'est-ce que c'est? C'est l'ingrédient qui va être aujourd'hui ici remplacé par le bicarbonate. Donc toutes les recettes de tendance limbondo, sakasaka mukedi, lifolo toto, on a choisi de remplacer par ceci. Surtout nous en Europe, il faut y aller pour trouver le vrai ingrédient, à savoir le mokwa mungwabasenzi. Qu'est-ce que c'est que le mokwa mungwabasenzi? C'est un espèce de sel, mais ce n'est pas du sel en réalité. C'est des cendres. Ça a été obtenu après avoir brûlé des peaux de bananes. Et donc, ces bananes ont été brûlées sur du bois. Et donc, la poussière qui s'en est sortie, c'est des cendres. Et cette cendre est un produit naturel qu'on utilise au Congo en cuisine. Et également, ça fait exactement la même chose que le bicarbonate, ça aide à blanchir les dents, ça aide à blanchir les vêtements. Et cette cendre n'est pas utilisée telle qu'elle. Vous ne prenez pas les cendres et vous mettez dans la casserole comme le bicarbonate. La cendre est diluée dans de l'eau, ensuite c'est filtré et c'est ce liquide qu'on utilise pour cuisiner le pondo limbondo et plein d'autres recettes. Au Bandundu, on a exactement la même chose, sauf que l'ingrédient utilisé, ça s'appelle mukedi. Et le mukedi, ce n'est pas à base de banane, de peau de banane, mais c'est à base d'une partie du palmier. Et dans la région de l'Équateur, nous avons également des mélanges de sel, moitié palmier, moitié peau de banane. Voilà, ça c'était la petite histoire. Donc, pour l'heure, nous allons réaliser des épinards façon limbondo. Donc, on va essayer de se rapprocher le plus possible de la recette. Mais on est dans un contexte où on n'a pas tous les ingrédients, on n'a pas de pondo à disposition. Et on veut quand même manger quelque chose qui ressemble à ça. Je vous présente les ingrédients. Donc, vous aurez besoin... Pour 1 kg d'épinards, à peu près 10 g de bicarbonate, une boîte de poisson, mais si vous avez autre chose comme poisson de disponible, vous pouvez l'utiliser. Mais dans ce contexte, on va utiliser une boîte de pilchard qu'on trouve facilement même en supermarché. Ici, j'ai créé un mélange, ceci remplace le cube bouillon pour ne pas mettre de cube magie dans ce plat. Dans les plats traditionnels, évitez de mettre des additifs, faites la recette comme elle se fait au pays, même si ici on a transformé. Mais là où on le peut, on le fait. Donc ce mélange, c'est céleri, oignon nouveau, ail et persil. Donc il faut, en fait, quand on n'utilise pas des cubes, il faut beaucoup plus de quantité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup comme ça. Parce que dans les cubes, c'est concentré en fait. Et puis en plus, il y a plein d'additifs. Donc vous avez besoin de ça. Vous avez besoin des oignons, du sel. Et normalement, il faut prendre une huile de palme non raffinée, vierge. Et moi, je ne jure que par la marque Congo Bio Végétal. Et pour les personnes qui sont contre l'huile de palme, je vous rappelle que l'huile de palme dont on parle dans les guéguerres de l'agroalimentaire, ce n'est pas du tout l'huile rouge, c'est l'huile qui devient blanche.
Je l'ai déjà rencontrée dans des magasins dits bio, de l'huile de palme. Elle était toute blanche. Je ne sais pas comment ils ont fait. Si vous hésitez, vous pouvez toujours contacter notre nutritionniste, lui, Likwema, qui vous donnera les bienfaits de l'huile de palme telle qu'elle se fabrique au Congo. Pas les contrefaçons, ni certaines fabrications. On prend de l'huile et puis on met du colorant, il y a de tout. Si vous ne souhaitez pas mettre de l'huile de palme, vous mettez de l'huile d'olive et dans la même procédure, ne pas cuire l'huile d'olive en fin de cuisson. Mettre l'huile d'olive et arrêter. Je rappelle que l'huile d'olive, quand elle est trop chauffée, elle devient toxique. Donc, on ne va pas fuir un problème pour se mettre dans un autre. Kokima, mboula naibale, ça ne sert à rien. Et là, ici, on va prendre des épinards hachés, surgelés, sans crème fraîche. C'est important, ça doit être sans crème fraîche, sinon vous allez fausser complètement la recette. Et donc, ça ressemble à du pondu pilé. Voilà, pour les ingrédients, c'est à peu près tout. On se retrouve pour la préparation. Voilà, donc je mets, moi je le fais comme ça, c'est des épinards, hein, c'est pas du pondu. Donc j'ai développé ma propre méthode. Je mets un fond d'eau, à peu près 1 cm. L'eau doit être en train de bouillir. Vos épinards surgelés, sortez-les une bonne heure avant ou même la veille. Plus il commence à décongeler, mieux c'est. Je vous ai déjà expliqué que quand vous mettez directement un produit congelé, vous avez du mal à évaluer la quantité d'eau parce que ça va rendre de l'eau. Donc on a nos épinards qui commençaient déjà un peu à ramollir. Voilà, c'est comme ça que je procède. Je les mets dans ce fond d'eau. Ok. Voilà. Et donc là, je vais pratiquement directement tout mettre. Hein. Je vais mettre donc, j'attends un petit peu que ça vienne un petit peu à ébullition. Hein. Comme on a mis, ça va revenir, ça va recommencer à rebouillir. Et moi j'aime bien mettre mon bicarbonate à ce moment-là. Il ne faudra pas fermer la casserole. Vous devez travailler pratiquement avec la casserole ouverte. C'est pour maintenir une certaine couleur qu'on aime bien. Pendant ce temps, j'ouvre ma boîte hein, donc, de poisson. Voilà, bande de connards, fume la boîte à pilcha. Le temps est au kamouké, dans l'ingarabongo. Et ça n'est pas bandit, et j'en ai dit que tu continué. Mouké est comme ça. Oh, bah, épinard est congelé. Et l'emba mouké est comme ça. Ce qui est déjà prêt, je mets tout ça autrement. Voilà, donc le pondu à limbondo, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ma vidéo. Vous saurez tout sur le pondu sakasaka congolais. Le pondu à limbondo, je le classe dans la catégorie des pondus dénaturés. Donc, c'est-à-dire que le goût a complètement changé par l'apport de bicarbonate. Et donc, les épinards façon limbondo vont nous rappeler ce goût. Voilà, donc quand ça commence à frémir, vous voyez, moi c'est comme ça que je procède. Je vais apporter mes 10 g de bicarbonate. Vous allez voir, ça va commencer à mousser. Je mélange tout. C'est normal qu'il y ait de la mousse. Hein. Et là, je mets directement mes oignons. Il faut les couper très petits. Le pondu à limbondo est une recette qui ne dure pas des heures et des heures. Contrairement à une autre recette de pondu. Je rappelle que le pondu en réalité est un produit, donc c'est-à-dire ce sont des feuilles de manioc. Et on peut faire du pondu à plusieurs sauces. Donc
Pondo Limbondo, ça veut dire pondu façon Limbondo, donc ce que je vous ai expliqué. Il existe plein d'autres recettes de pondu, hein, donc voilà. Il y a le pondu Anguangula, il y a le pondu Moussaka, il y a plusieurs sortes. Les épinards, j'ai déjà testé plusieurs recettes, mais toutes les recettes de pondu ne vont pas avec les épinards. Le Limbondo est une des meilleures. Voilà. Donc ici, pendant que ça va cuire, je vais apprêter le poisson. Bon, ici, je vais ajouter un ingrédient que je sais que vous ne trouverez pas, mais c'est plus fort que moi. Je suis de l'Équateur et nous, les gens de l'Équateur, en fait, on nous qualifie de personnes qui mangent plus de poissons, moins de légumes. Donc, mbisi bacha, bacha épinard. Donc, je vais rajouter du poisson fumé. J'en ai toujours dans mon congélateur déjà bien nettoyé. Je vais en mettre un peu là. Comme ça, ça va ramollir ensemble. Ensuite, on utilisera l'autre poisson, la boîte. Ça, c'est vraiment une pièce jointe parce que sinon, j'aurais du mal à manger. Moi, il faut que je sente qu'il y a beaucoup de poisson dedans. Voilà, donc j'ai mon poisson qui sort de mon congèle. Ce que je fais, je nettoie toujours en avance mon poisson. Ça va porter un goût subtil, fumé. Je vais voyager. Donc, si vous n'en avez pas, ce n'est pas une condition, hein. Mais nous, c'est plus fort que nous. Les gens de l'Équateur, à la limite, j'aurais mis encore trois autres sortes de poissons. C'est comme ça que nous, on mange. Donc, chacun son truc. Il y a des gens qui aiment l'ail dans le pondu Limbondo. Mais moi, je trouve que le pondu Limbondo, il ne faut pas trop de commentaires. Et même au pays, ça se fait avec des ingrédients très simples. Ce n'est pas comme la recette de pondu traditionnelle que moi, je qualifie de pondu de Maléwa. Le pondu que tout le monde mange. Là, on met des aubergines, on met des courgettes. C'est pour une autre raison. Mais le Limbondo, normalement, il se suffit à lui-même. Donc, il ne faut pas ajouter des trucs. Voilà, vous voyez comment c'est en train de mousser. C'est une recette où le pondu est très, très vert. Hein? Le pondu à Limbondo. Donc ici, j'ai mis mon poisson parce que je ne peux pas résister. Mais maintenant, on va reprendre la recette comme elle était au début. On va mettre le poisson en boîte. Hein? Mais moi, je mets les deux sortes. Voilà, donc c'est notre boîte de poisson, il faut un peu concasser comme ça, on va l'incorporer au reste, voilà. Ne pas couvrir, hein. On prépare ça à découvert. Mais je vous assure que le goût est très très proche. Chaque fois que je fais cette recette, des gens sont bluffés. Il y en a même certains qui disent que c'est du pondu. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de jus. Voilà, épinard façon Limbondo. Lorsqu'on fait une recette qui n'est pas faite dans les normes, donc ici l'ingrédient a été remplacé, c'est le pondu qui a été remplacé par les épinards, on ne peut pas appeler ça pondu, hein, c'est de grâce, c'est pas le même produit. Donc épinard façon Limbondo parce qu'on a à peu près reproduit la procédure du pondu à Limbondo. Voilà, maintenant je vais vous parler de l'ingrédient par excellence dans le Limbondo, c'est le piment. Moi, je suis super fan du piment vert, mais si vous en avez des rouges, moi, j'ai souvent à la maison beaucoup de piment vert. Vous mettez un rouge, ça sera plus facile à le retrouver, mais le Limbondo, en général, c'est les adultes qui mangent ça. Quoique chez moi, tous les enfants aiment. Ils appellent ça, quand c'est du pondu, ils appellent ça du pondu pas normal. Voilà, je vais mettre un piment vert. L'odeur subtile du piment vert dans le Limbondo, c'est vraiment waouh. Ça ne doit pas manquer un piment là-dedans. On va le mettre. Voilà.
De toute façon, je n'ai pas de piment rouge ici chez moi, donc ça va être celui-là. Ça va parfumer. Si vous avez peur d'avoir un incident, au moment où vous voyez que c'est assez parfumé, vous l'enlevez. Voilà, donc on va continuer à laisser bouillir à feu vif. Donc, c'est pas un truc qu'on veut faire à feu doux. Feu vif, et à un moment donné, on va faire la finition, c'est-à-dire mettre l'huile de palme, et ça sera la fin de la cuisson. On continue pas à cuire une fois que l'huile est posée. C'est vraiment l'inverse de la recette du pondu yamalewa, ou bien du pondu du quinoa. Mes amis, j'avais oublié de mettre le sel, mais en général, avant de le mettre, je goûte parce qu'avec l'apport de bicarbonate, parfois ça apporte un goût salé. Ne pas en mettre trop. Voilà, on met du sel. Dès que le piment sera ramollo, ça voudra dire que c'est prêt. Le piment sert de baromètre aussi. Hein. Ceux qui aiment l'ail, ajoutez de l'ail. Moi j'aime l'ail, mais pas dans cette recette. On a encore un peu de sel, j'ai goûté. Pas non plus exagérer, on va s'arrêter là parce que c'est mieux que les gens puissent ajouter du sel. Une fois qu'il y a trop de sel, c'est un problème. Je vais peut-être éteindre la hotte pour qu'on puisse mieux s'entendre. Hein. Voilà, donc j'éteins la hotte. Voilà, donc là c'est vraiment juste bien. Donc l'huile, j'ai mis dans de l'eau bouillante pour qu'elle puisse redevenir liquide parce qu'on est en hiver, donc elle a figé. Donc je mets une petite quantité d'huile, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, hein, donc ça vous tuera pas. L'équivalent de 2 cuillères à soupe. Une fois que l'huile est mise, vous touillez, hop, ça va avoir la couleur du limbondo. Ensuite on couvre, on retire du feu. Fin de citation. Vous n'aurez pas la sensation que l'huile de palme est crue. C'est cette symbiose entre bicarbonate et tout, cette magie, qui fait que ça donne un très bon goût. Si vous croyez que c'est cru, c'est dans votre tête. Et puis, entre nous, 70%, 70% des recettes à base d'huile de palme au Congo, à la base, se faisaient sans cuisson exagérée. C'est un peu le même principe que l'huile d'olive. Pour garder les bienfaits, en fait, elle ne doit pas être surchauffée. Il existe des recettes au Congo où on chauffe l'huile, ça fume. C'est très bon pour le goût, comme le sakamadesu, mais c'est très mauvais pour l'organisme. Mais, comme dans toute chose, on aime bien ce genre de délire. Mais je vous dis qu'ici, on est dans le bon. La recette est comme ça. Vous voyez la couleur? Tout à l'heure, vous allez voir le dressage. Je vais vous montrer. Ça se mange souvent avec des bananes cuits à la vapeur. Ou bien des bananes, purées de bananes, lituma. Voilà. Voilà donc, chers amis, notre limbondo d'épinard, ou bien épinard façon limbondo est prêt. Le rouge, là, c'est une petite déco. Hein. C'est de la tomate, mais vous pouvez mettre un piment pour faire joli. Donc, ça s'accompagne bien avec les bananes plantain. Vous cuisez ça à la vapeur. Vous cuisez ça, vous les faites bouillir. Et moi, ici, j'ai choisi de l'accompagner avec du poisson. C'est du tilapia rouge. Voilà. Mais vous pouvez accompagner avec une viande. Vous pouvez accompagner avec ce que vous aimez. Mandegoto comme nasuka. Limbono na biso épinard est comme prêt. Ndeko na ngaso fan na balieur reculé. Et si kapondo ya ka rarement. Comme on n'a pas cité. Banda ko créer. Surtout sur moi, l'itara ma futa mi les a déjà au bomba na yo. Oko sa ba recette est belle. Et go memao nostalgie amboka. Donc,
Ma série moko na poto il y a très longtemps ma pondeuse ala okota kotane tilelote to créa to créa to lemba to sala na ba pondu ya épinard épinard pondo lokuta donc Dieu merci lelo et koma mais ba recette aboeza utile pour na bato bazan ba endroit oyo biloko mboke mona na rarement to ya qualité malamu rarement voilà donc c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Et j'ai une petite remarque, c'est 5 portions. Hein. Donc il ne faut pas manger une pastèque entière comme un fruit ou un melon entier. Donc, et des raisins, ce n'est pas 1 kg de raisin, c'est à peu près 30 grammes. Voilà, donc les fruits qui sont plus petits, à la rigueur, un fruit complet. Donc mangez vos fruits, mais dans le bon, hein, pas exagéré. Voilà, donc l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir.